tous, bienvenue donc à ce quatrième cercle des territoires pionniers de la sobriété foncière. Et Roland, je vous laisse introduire avec Hélène Peskin. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Ah oui, bonjour à très tous, je suis désolé, il y a quelques problèmes de connexion et j'étais dans la pénombre, donc voilà, ça y est, les choses sont réglées. Bonjour à tous, ravi avec Hélène Peskin et la DHUP, je vois aussi Pierre Gerlier de vous accueillir pour cette nouvelle réunion du Cercle. Vous avez d'ailleurs le programme, je sais qu'il est assez chargé et qu'on essaie de tenir dans nos délais. D'abord, comme nous sommes le 31 janvier, j'en profite bien sûr pour vous adresser à ceux que mes meilleurs voeux personnels et professionnels, et pour vous-même et pour les collectivités ou organismes que vous représentez. Tout ça aussi pour vous dire en rapide introduction nous souhaitons faire de territoire pilote de sobriété foncière un des marqueurs de la prolongation du programme national Action Cœur de Ville. Vous savez que par décision gouvernementale, il a été prolongé à la demande unanime des élus en 2023-2026, puisque le programme devait s'arrêter initialement lancé fin 2017, à la fin de cette année, en tout cas en termes d'engagement financier. Et dans la mission de préfiguration que j'ai l'honneur d'animer avec les partenaires financiers, les DGALN, la sobriété foncière, sans trahir de secret dans les propositions que nous allons faire au gouvernement actuel et aux autorités futures, la sobriété foncière sera bien sûr un item extrêmement important, avec un objectif qu'il nous faudra préciser de généralisation de cette initiative qui suscite en tout cas énormément d'intérêt. Nous y reviendrons lors d'un prochain cercle. Par ailleurs, nous avons lancé une consultation des maires et présidents d'intercommunalités Action Cœur de Ville. Nous sommes en train de dépiauter, de faire la synthèse des résultats, mais là encore, ce sujet fait partie dans les remontées des élus et des collectivités que nous avons reçues. On en a près des trois quarts, je crois, d'ores et déjà. Donc, c'est très important. Ce thème est aussi extrêmement signalé. Je voulais par ailleurs en profiter pour vous dire que énormément de milieux économiques, d'investisseurs, de promoteurs, d'aménageurs, etc., s'intéressent à nos travaux et il n'y a pas de semaine sans les, enfin, dans lesquelles je n'incite pas ces investisseurs à s'intéresser en priorité aux 7 et 27 villes qui sont aujourd'hui membres de ce cercle des territoires pionniers. Donc, nous avons aussi un enjeu de mieux informer et d'impliquer les investisseurs au sens le plus large du terme, de s'intéresser à ces villes, à ces territoires, pour que ces territoires soient des territoires pionniers, démonstrateurs que le développement urbain, résidentiel et économique peut se faire sur les principes de la sobriété foncière. Voilà en tout cas les quelques points, parce que je ne veux pas prolonger, je suis généralement trop long, pour vous dire en tout cas au début de cette année toute l'importance que nous attachons à développer les travaux du Cercle, de soutenir bien sûr les 7 villes pionnières et les 27 et les 20 autres territoires qui font partie de cette démarche d'innovation, avec un objectif, un, de la renforcer et deux, à terme probablement, de la généraliser pour en faire un des marqueurs très importants d'Action Cœur de Ville. Voilà, je m'exprime en tout cas, non pas à titre personnel, mais quel est le sens des travaux de la mission de préfiguration que j'ai l'honneur de piloter. Et bien sûr, nous soumettrons ces orientations à l'actuel gouvernement et au gouvernement futur, quel qu'il soit. Voilà en tout cas dans quel sens, je dirais, nous travaillons. Mais tout ça pour vous dire en conclusion qu'on va plutôt. Pour prendre, j'étais tout à l'heure au COJO Paris 2024, plus haut, plus vite, plus fort, plutôt que l'inverse. Donc, merci à tous pour votre contribution et très heureux à chaque fois de la qualité des échanges et bien sûr de ce que nous allons pouvoir faire ensemble. Je n'oublie pas, chère Hélène, que nous avions promis aussi, mais peut-être de faire aussi un point d'étape dans les villes qui se sont engagées. Naturellement, nous restons également avec Pierre Gerlier à la disposition des élus pour être à leur côté. Voilà, bonne réunion. Bien sûr que je reste avec vous pendant toute cette réunion et je donne la parole à Hélène Peskin pour introduire également cette réunion. Merci.
Merci beaucoup Roland Mouchablaiseau, Monsieur le Préfet, et bienvenue à toutes et tous. Je suis ravie d'ouvrir à mon tour cette quatrième édition du Cercle des pionniers de la sobriété foncière qui va nous permettre de travailler sur la relation entre la planification urbaine et notamment les documents d'urbanisme, PLU, PLUI, SCOT, SRABET et le passage à la programmation autour de quelques exemples assez éclairants. Et puis de vous faire un rapide compte-rendu de l'avancement du programme d'expérimentation avec les 7 pilotes, puisque, comme on le disait, ce lieu d'échange, ce cercle est vraiment le lieu du débat en continu sur cette expérimentation. Toutes les villes, les 27 candidatures de villes n'ont pas pu être retenues, mais on tient vraiment à ces temps d'échange réguliers pour pouvoir en mettre un petit peu en discussion ce qu'on retire de cette expérimentation, comment d'autres expériences peuvent aussi nous aider à l'enrichir et comment évidemment on peut au maximum en diffuser les enseignements. C'est l'occasion de vous informer qu'on a mis en place un partenariat avec la Gazette des communes qui va suivre nos débats désormais et en faire un petit compte-rendu dans la Gazette en ligne qui sera proposé le lendemain ou le surlendemain de chacune des sessions, donc environ tous les 2 mois. Ce qui permet aussi pour nous une diffusion plus large à la fois à des techniciens et à des élus dans le cadre de ce média un peu spécialisé dans les questions territoriales. Donc on se réjouit de ce nouveau partenariat. Les sujets qui nous occupent aujourd'hui sont assez cruciaux hein, puisqu'ils sont à l'interface entre ce qui d'ailleurs découle aujourd'hui de la loi climat résilience, hein, l'évolution des documents d'urbanisme pour ancrer dans la planification le zéro artificialisation nette et la réalisation concrète, opérationnelle de ces projets de recyclage urbain qui sont vraiment au cœur de cet enjeu de la sobriété foncière. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de le vouloir. Et c'est, je sais bien que autour de cette table, les territoires y sont engagés, sur leur mandat notamment. Il faut aussi le pouvoir. Et le pouvoir, c'est vraiment essayer de démontrer, décrypter à quelles conditions on arrive à passer à l'opérationnel. De ce point de vue, les exemples d'abord d'Épernay, territoire pilote, puis d'Avignon avec un PLU qui s'est ancré dans cette logique de sobriété foncière, nous seront, j'espère, très utiles. Et donc, je me réjouis des échanges que nous allons avoir. Malheureusement, je dois excuser Vincent Montrieux, dont on me dit qu'il est empêché pour des raisons de santé. Et du coup, je vous propose qu'on passe directement à la table ronde le temps que je me renseigne pour savoir qui va pouvoir le représenter. Peut-être, Hélène, ce que je veux proposer, je proposais, on a 5 minutes, s'il y avait des demandes de prise de parole un peu générales, puisqu'on est à l'aube de ce début d'année sur le cercle, nos travaux, les perspectives, n'hésitez pas à intervenir et puis… D'abord, ça te laissera le temps de retrouver qui. Et puis après, voilà, mais parfois, on n'a pas toujours le temps d'échanger. Donc, je sais que les formules visio sont à la fois pratiques et très frustrantes à la fois. Donc, s'il y avait des demandes de prise de parole, en tout cas sur les introductions générales d'Hélène et de moi-même et sur nos travaux, n'hésitez pas à vous signaler. Sinon, bien sûr, Pierre Jarlier entamera tout de suite… le début de cette table ronde. Je salue bien sûr l'ensemble des élus et collaborateurs d'élus qui sont présents. Je pense notamment à Franck Leroy, à l'adjoint au maire d'Avignon, à Rennes Métropole. Voilà, il y en a Isabelle d'autres. Isabelle Houcault également pour Poitiers qui est parmi nous. Voilà, très bien. Et dont les projets, d'ailleurs, dans le cadre de l'expérimentation, avancent très vite. Je pense qu'on aura le plaisir à nouveau de parler du projet de Poitiers, de l'expérimentation de Poitiers avant l'été, a priori dans un cercle qui devrait se tenir fin mai ou début juin. Ça me permet aussi de vous redonner le rythme hein, pour cette année 2022 qui démarre avec la programmation d'une session du cercle tous les 2 mois. Donc, le prochain devrait être à la fin du mois de mars ou au tout début du mois d'avril, à la fois poursuivre l'évolution de l'expérimentation, comme on l'a dit, et voir comment on entre dans l'opérationnel, dans la phase plus démonstratrice de ce programme, mais aussi poursuivre l'avancement des textes d'application de la loi sur le zéro artificialisation et l'ensemble des expériences, des retours d'expérience qui peuvent être décelés sur le territoire national et dont on espère aussi nourrir nos réunions et on a déjà un programme bien établi pour la session de fin mars. Merci. Voilà, je ne vois pas de prise de parole, donc je fais. Enfin, c'est pas obligatoire, mais s'il y en avait, vous vous manifestez. Ben sinon, on je prends le relais.